Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, j'ai une spéciale crossfitter, donc pour ceux qui aiment le crossfit, on va essayer de s'adapter, d'accord? On va pas avoir des barres, mais on va utiliser des packs d'eau. Donc vous avez besoin de packs d'eau pour vous entraîner sur cette session-là. Ça doit éventuellement aussi pouvoir marcher avec des fûts de bière, si vous avez des fûts de bière ou autre. Bref, je vous laisse me partager en dessous de la vidéo, éventuellement avec quoi vous avez fait cet entraînement-là. Alors, on a même chose, une grosse partie, la session, un four time, d'accord, avec une pyramide descendante, et on terminera par un killer. Donc sur la partie warm-up, la partie échauffement, on va tout de suite se servir de nos packs d'eau. D'accord. Premier exercice, on va avoir des mouvements de soulevé de terre. Mais ça va être des mouvements de soulevé de pack d'eau. Donc les talons, on les place juste en dessous les hanches, d'accord. On cherche à placer le bassin vers l'arrière, on fixe bien les épaules, extension complète. Et je contrôle la descente, je souffle sur la montée, j'inspire sur la descente, extension, je souffle. Bien sûr, cherchez à engager les fessiers et cherchez vraiment à placer les lombaires, d'accord, le plus stable possible. Ça, c'est mon exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on va avoir du coup des goblets squats. Donc on va chercher à pousser, à placer les pieds un petit peu plus large que la ligne de nos épaules, d'accord. On cherche à descendre. Et je souffle, je remonte. J'inspire sur la descente, je souffle et je remonte. Ça, c'est notre deuxième exercice. Exercice numéro 3. Attention les yeux. On se met en place, les coudes vers le bas. On va chercher à monter le pack d'eau au-dessus de la tête sans bouger les jambes. Extension complète et on revient. Je souffle sur la montée et j'inspire sur la descente. Troisième exercice. On peut prendre les deux packs d'eau ici et on avance en position fente. Et on alterne, d'accord. Si vous avez un petit peu de place, vous pouvez même me faire des walking lunge, des fentes en avançant. Donc une fois qu'on a ces quatre exercices là, on va partir sur 30 secondes de travail, d'accord, sur chacun des exercices, 10 secondes de récupération et vous enchaînez ça pendant 3 rounds, histoire de faire monter la température, ok. Ça c'est la partie warm-up. Attaquons maintenant la partie WOD. Sur la partie WOD, même chose, on va avoir plusieurs exercices qu'on va retrouver forcément de l'échauffement. Exercice numéro 1, on va transformer du coup les soulevés de terre à deux jambes avec des soulevés de terre à une jambe. Ça donne quoi? Ça donne exactement la même chose au niveau des charges, d'accord? J'ai les packs d'eau dans chaque main. Je vais chercher à, du coup, sur une jambe, incliner le buste vers l'avant et je vais me redresser. J'incline le buste vers l'avant et je me redresse. Cherchez justement à ce mouvement-là. Il n'est pas forcément évident. Vous pouvez le faire sans pack d'eau au démarrage. Ce qui est important, c'est de fléchir un petit peu le genou pour chercher à placer la hanche. Je vais me mettre de profil pour vous montrer. Ce qui est vraiment important ici, c'est que le mouvement, d'accord, ici, je n'ai pas forcément beaucoup de recul, mais ce que je veux, c'est que je ne veux pas d'ouverture au niveau de la hanche. Je veux que la hanche reste stable, d'accord. Donc, on aura à gauche. Et on aura soulevé de terre à droite. Ça, ce sera notre premier exercice. Exercice numéro 2, eh bien, les goblet squats, d'accord. Donc, si vous voulez mettre vos deux packs d'eau, vous pouvez éventuellement mettre vos deux packs d'eau et me faire des goblet squats pour que ce soit un petit peu plus lourd. Exercice numéro 3, on va retrouver nos fameux shoulder press. Donc, utilisation juste des épaules ici, d'accord. Je monte et je redescends. Si vous êtes un peu équilibriste, vous pouvez mettre même les deux packs d'eau. D'accord. Et si vous avez justement, si le pack d'eau est un petit peu lourd, vous pouvez vous aider des jambes éventuellement. D'accord. À vous de voir au niveau, à vous de voir au niveau de la charge. Donc ça, ce sont la plupart de nos exercices sur la pyramide. D'accord. Au niveau du travail, c'est simple. On va partir sur une pyramide descendante. C'est une pyramide que vous connaissez en crossfit. On va commencer par 21 répétitions et on enlève 3 répétitions à chaque fois. D'accord? 21, 18, 15, 12 et on va jusqu'à 3. Ça donne quoi? Ça donne 21 soulevés de terre à gauche, 21 soulevés de terre à droite, 21 goblet squat, 21 shoulder press. Ok? Et ensuite, vous descendez. La petite chose marrante, c'est que on va rajouter une zone rouge, c'est-à-dire que toutes les 3 minutes, vous allez devoir me faire 3 burpees au-dessus du pack d'eau. Alors, au-dessus du pack d'eau, ça peut être deux possibilités ici, soit vous le mettez au plus bas, si vous êtes joueur, vous cherchez à lever le pack d'eau. Donc, même chose, la burpees avec ou sans la pompe et on jump de l'autre côté, avec ou sans la pompe et on jump, ok.
Donc, même chose, vous mettez votre chronomètre et toutes les 3 minutes, vous êtes obligé de me faire 5 burpees au-dessus de votre pack d'eau. Voilà. On termine maintenant avec la partie killer. Un killer basé du coup maintenant sur les abdos. On va toujours avoir besoin d'un pack d'eau pour finir justement cet entraînement. Donc, on va chercher à se mettre au sol. Ici, on appuie sur les orteils. On va chercher à se grandir au maximum. On imagine qu'on a une kettlebell, mais on a du coup notre pack d'eau et on va chercher à alterner une fois à droite et on twist une fois à gauche. Si ça joue pour vous, on décolle. On a un peu plus d'instabilité ici et on va chercher à alterner à droite et à gauche, ok. Deuxième exercice, vous allez mettre le pack d'eau en face de vous ici. On va se mettre position plage. On va chercher à allonger la pointe des orteils. On garde l'engagement au niveau des abdos. Et même chose, on va chercher à se déplacer droite et gauche sans toucher le pack d'eau. Si vous touchez le pack d'eau, d'accord, vous avez une sanction. Vous êtes obligé de me faire 10 burpees. Donc faites bien attention de bien lever les pieds, ok. Troisième et dernier exercice, on finit, on se met en position sur le dos, on attrape le pack d'eau bras tendu et on va chercher à décoller la tête et le haut des épaules. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur sur la partie crunch, les jambes sont tendues et je redescends. Ok. Donc au niveau du format de travail, même chose, vous partez sur 27 répétitions, d'accord, 27 répétition, exercice numéro 1, voilà, des twists, 27 répétitions leg raise et 27 répétitions de crunch. Ensuite, vous descendez à 21, ensuite à 15, ensuite à 9. Et l'objectif, c'est de faire le minimum de temps possible. Voilà, en tout cas, j'espère que cet entraînement va vous convenir et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouvel entraînement. Salut !